Avec ses couleurs vives et sa maîtrise affirmée de la ligne, cet exceptionnel dessin illustre brillamment l'expressionnisme singulier entre figuration et abstraction qui a permis à Willem de Kooning de s'imposer comme l'une des figures majeures de sa génération. Woman a été réalisé en 1946, date à laquelle le terme d'expressionnisme abstrait fait son apparition, affiliation qui n'a jamais convenu à de Kooning, pour qui la figure humaine et en particulier la figure féminine a été au centre de ses explorations tout au long de sa carrière. Lorsqu'il peint Woman, de Kooning a achevé sa première série de peintures sur la femme du début des années 40 et explore une nouvelle possibilité représentative en développant un style fusionnant cubisme, surréalisme et expressionnisme, tout en continuant d'exploiter le canon artistique de l'art occidental et notamment le motif classique du nu féminin allongé à la manière de l'Olympia de Manet. Notre dessin préfigure la fameuse série des Woman que de Kooning entame à l'aube des années 50. Cette œuvre provient d'une importante collection privée américaine. Éminente démonstration des innovations formelles qui allaient définir l'héritage singulier de l'artiste, Woman, dans le format intime et précieux du papier, révèle dans toute sa splendeur, avec la même énergie et la même intensité qui définissent ses meilleures toiles, la manière dont de Kooning s'est efforcé de faire le lien entre les influences du passé et le courant dominant à l'époque pour créer sa propre esthétique, synthétisant figuration et abstraction d'une façon inégalée.